Je pense que les banques centrales sont les principaux acteurs des marchés aujourd'hui. Donc, il est vraiment important de suivre leur politique. Roberto, merci beaucoup de votre participation. C'est un plaisir de vous accueillir dans le studio de Yukoscopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler des banques centrales et nous allons discuter plusieurs questions. Donc, commençons par la Fed. À votre avis, la Fed, que va-t-elle faire à l'avenir? Y aura-t-il d'autres hausses des taux cette année? Je suis ravi de revenir dans le studio de Yukoscopy TV. Oui, je pense que les banques centrales sont les principaux acteurs des marchés aujourd'hui. Donc, il est vraiment important de suivre leur politique et leurs déclarations, et puis d'essayer d'interpréter des effets éventuels. Je pense que l'activité économique mondiale prend de l'ampleur et est plus soutenue. Mais les politiques économiques et les politiques monétaires des banques centrales sont toujours très accommodantes. La Fed, qui a été la première banque centrale qui a commencé à normaliser les taux d'intérêt, augmente les taux d'intérêt constamment, mais lentement, depuis ces 6 derniers mois. Et aujourd'hui, la principale question est de comprendre ce que la Fed va faire à l'avenir. Je pense que la Fed a toujours une approche prudente, même si elle projette de faire 7 hausses des taux au cours de ces 2 prochaines années, ce qui n'est vraiment pas pris en compte par le marché, qui ne prévoit que 3 hausses des taux au cours de ces 18 prochains mois. Cela veut dire que ce facteur pourrait causer certaines perturbations sur le marché. À mon avis, il y a un autre problème important. La Fed devra mettre un terme à la hausse du bilan, car elle a accumulé un bilan énorme au cours de ces quelques dernières années. Et maintenant, la question est de comprendre quelle sera la réaction des marchés et s'il y aura des perturbations. Donc, je pense qu'il est raisonnable que la Fed essaie de normaliser les situations, surtout au moment où les marchés sont assez calmes. À mon avis, il y a toujours un certain retard. Et les responsables veulent être absolument sûrs que la situation économique va continuer à s'améliorer. Aujourd'hui, le marché du travail a atteint le plein emploi. Je pense que le programme économique de Donald Trump sera lancé, même s'il y a un certain retard. Donc, cela va apporter une stimulation supplémentaire à l'économie. En plus, l'économie qui crée plus de 200 000 emplois sur une base mensuelle et a le taux d'emploi de 4,5% va évidemment créer une certaine inflation, compte tenu de toute la stimulation économique et de l'argent qui est dans le système. Et comme toujours, la question est de comprendre quand cela va se produire. Je pense que la Fed, aussi bien que les autres banques centrales, continuent à stimuler l'économie. Et donc, le risque pourrait venir de l'autre côté, si tout à coup l'inflation, qui est toujours un indicateur retardé, commence à augmenter. Donc, nous devons attendre pour voir à quelle vitesse et jusqu'à quel point la Fed va augmenter les taux d'intérêt. Vous avez commencé à parler des autres banques centrales. Jetons un coup d'œil à certaines d'entre elles. Et commençons par le Japon, où le gouverneur de la banque centrale, Ruiko Kuroda, a récemment montré son optimisme. Pensez-vous qu'il reste toujours optimiste dans ses prévisions à l'avenir? Je pense que oui. La Banque du Japon est probablement une des banques centrales les plus extrémistes. Elle contrôle la courbe des rendements et achète presque toutes les obligations qui arrivent sur le marché. Donc la banque contrôle pleinement le marché des obligations du gouvernement japonais et continue à accroître les liquidités. Je pense que nous voyons déjà l'influence de cette politique sur la monnaie nationale. Le yen s'affaiblit par rapport au dollar, à l'euro et aux devises des marchés émergents. Je pense que l'économie se porte bien. Il n'y a aucun signe d'inflation, ce qui est un facteur important que toutes les banques centrales suivent de près. Je pense que la Banque du Japon s'est retrouvée dans une impasse. Et nous allons attendre pour voir comment elle va sortir de cette situation qui a été créée par sa politique monétaire. Mais pour le moment, la Banque du Japon maintient sa politique monétaire et montre au marché qu'elle va la maintenir pendant un peu plus longtemps. Et moi, je suis d'accord avec un point de vue optimiste exprimé par Haruko Kuroda, au moins s'il s'agit du court terme.
Et passons à l'Europe. Jetons un coup d'œil à la BCE. Ces quelques dernières semaines ont été mouvementées. Il y a eu beaucoup d'événements. Et aujourd'hui, beaucoup d'analystes suggèrent que nous allons probablement voir des hausses des taux d'intérêt. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Quel est votre point de vue à ce sujet? Non, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Je pense que la BCE a été la dernière des banques centrales qui avait commencé une politique monétaire expansionniste vraiment agressive. Donc, elle est la troisième banque dans la liste. Évidemment, l'activité économique en Europe connaît une accélération constante. Mais les vitesses diffèrent d'un pays à l'autre. Donc, je pense que le risque de déflation s'affaiblit. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de temps pour voir une croissance européenne soutenue et plus générale. Je pense que s'il s'agit de l'inflation, nous ne voyons aucun signe de hausse de l'inflation. Nous observons évidemment que les prix du pétrole, aussi bien que les prix des autres matières premières, reculent. Et l'euro a progressé depuis le début de l'année de 5-10%. Donc, tout cela va maintenir l'inflation sous contrôle. Je pense que M. Draghi a une intention ferme d'améliorer les conditions économiques à long terme. Tout d'abord, nous allons probablement voir la fin du programme d'assouplissement quantitatif et la fin du programme d'achat des obligations. Il est à noter qu'il existe une énorme quantité d'obligations qui se négocient actuellement dans les conditions où le taux d'intérêt est au-dessous de zéro. Donc, c'est probablement la fin du programme d'achat des obligations. Mais je ne prévois pas qu'il y aura des hausses des taux d'intérêt en Europe, au moins au cours de ces 18 prochains mois. Vous avez mentionné les obligations. Et quelles sont vos prévisions pour le marché des actions, le marché des obligations et celui des devises dans les prochaines semaines? Il y aura une période intéressante pour le marché des changes. Nous voyons déjà beaucoup plus de mouvements et beaucoup plus d'ajustements en termes d'euros et en termes de devises des marchés émergents. En plus, le dollar est assez faible depuis le début de l'année. Je pense que le dollar va augmenter dans la deuxième moitié de l'année. Et l'euro va probablement connaître un certain affaiblissement. Comme nous sommes en Suisse, il faut également parler du franc suisse. Il est assez faible. Donc je pense que la politique de la Banque nationale suisse est efficace. Le yen sera toujours faible. Et je pense qu'il y aura une période assez intéressante pour les traders de devises. En ce qui concerne le marché des obligations, je ne conseille pas d'investir dans les actifs risqués. Je pense que sur le marché des obligations, il y a un certain nombre de risques. Car les taux d'intérêt connaissent une hausse et les courbes des rendements sont assez plates. Donc nous pourrions voir une accentuation de la pente de la courbe des rendements. Et de toute façon, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Je ne pense pas que les titres à revenus fixes puissent apporter beaucoup d'argent. Donc, la question est de comprendre quelle sera la situation si la Banque centrale réduit son programme d'achat ou met fin à ce programme. C'est pour cette raison que je conseille d'éviter le marché des obligations. En ce qui concerne le marché des actions, je pense que la situation est tout à fait différente. L'évaluation est à un niveau assez élevé. Mais je pense que les actions seront toujours soutenues par une politique monétaire accommodante des banques centrales. Et ce marché est probablement un lieu sain. Donc, il y aura un peu plus de volatilité. En fait, nous voudrions avoir un peu plus de volatilité, car pour l'instant, la volatilité est vraiment faible. Mais nous avons toujours des prévisions positives sur ce marché. Roberto, merci beaucoup. Merci, Jack. C'était un plaisir. Au revoir. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus d'interviews intéressantes, restez à l'écoute de Yukascopy TV.